vu une femme qui travaille, qui vend dans un marché, et elle a une voisine comme Suzy ou Julie, as Julie or Suzy. Le prénom, comme j'ai dansé là, the last name, as I was dancing, ça s'est embrouillé un peu dans ma tête. It confused in my mind, like elle Suzy. A... Suzy or Julie. C'est qui? Vous vendez dans quel marché? In which market do you sell? Donnez-le, oui, c'est elle, c'est elle. She's hein? The one. Et votre voisine, c'est qui? Julie. Julie, mettez-vous aussi. Regardez. Look. Vous vendez au marché, mais ça, c'est, you're selling, mais c'est ça, n'est-ce market. Pas? Alors où je suis en train de parler, il y a des problèmes. There are hein? Problems now. Alors je parle, il y a des problèmes. There are problems. C'est-à-dire que le commerce ne marche pas. Tenez-moi ça. Alors je parle, le commerce ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Hein? Vous êtes sur le point d'arrêter parce que la lampe est en train de s'éteindre. Il y a même un temps que vous avez fait sans aller au marché parce que ça n'allait pas financièrement. Le capital est fini. Vous avez même dû emprunter de l'argent pour faire le commerce dans une réunion. Hein? Et alors je parle, il y a un problème. Même rembourser la dette, ce n'est pas fini. Vous êtes endetté. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Dans le règne de l'esprit, quand je vous ai vu, Dieu m'a dit prie pour elle. C'est une milliardaire. Zamari wa Inas Promité. La femme si Zarami Inna Gros Penos ne Inaroteyi. Regardez. Look. Dieu m'a dit ceci. De prier pour vous pour insuffler un souffle financier dans vos affaires. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous surprendre. Cette année, ça commence cette année. Il y aura des miracles que Dieu va faire. Et des millions vont commencer à vous suivre dans vos affaires. Vous voyez, quand je vous ai vu, j'ai vu le marché. Et quand le Seigneur m'a amené ici au marché, je suis entré dans le marché. Je suis entré à l'intérieur du marché. Mais ce n'est pas où vous vendiez d'abord. Je vous ai vu vous déplacer. Avant vous étiez à l'entrée. C'est vrai. Avant vous étiez à l'entrée. Après, on vous a déplacé un peu à l'intérieur. Là-bas, c'était vraiment grave. Là où je suis quitté pour aller en bas. D'accord. Maintenant, regardez. Now look. Dieu m'a dit ceci. God told me this. Lanista wa in aros in cross medros pinor enorot in vros croden. Est-ce qu'on peut la bénir ce matin? Can we bless Amen. Her? Est-ce qu'on peut la bénir? Amen. Can we bless her? Je cherche pourquoi Dieu va bénir votre I'm femme. Searching why God will bless l'ange your de la prophétie vient avec des tablettes des prophètes. Bring the prophet's tablets. Où des paragraphes de destinée y sont écrits. Or gross where destiny et on lit, on cherche. Je commence and par où? From where regardez, quand vous êtes allé au marché, when you went to the market, c'est une jeune femme qui vous a motivé. Il y a une jeune femme qu'on appelait Henriette, Henriette, qui était comme une amie à vous. Oui, friend, c'est elle qui vous motive dans la vente. Oui, parce qu'elle-même vend un message. She's selling a message oui, as well. C'est elle qui vous dit que non, écoute, vraiment, she's Mako, si tu veux, vous achetiez chez elle d'abord au marché Messasi. Et c'est elle qui vous motive à venir vendre aussi à Messasi. Lorsque cette femme, Henriette, est venue, elle vous a parlé. Elle vous a expliqué que non, tu vois, viens, tu vas ici, nous on va, on fait quand même le marché. Ça va, on s'en sort un peu. Et puis, le jour là, vous étiez allé acheter au marché. Hein? Oui, on était ensemble. Vous étiez ensemble. Et puis, vous avez fait, elle vous a montré qu'ici, mais regarde. Il y a quelque chose qui s'est passé there is something that happened avec un magasin. Hein? Il y a un magasin que vous vouliez prendre. A shop you il y a une boutique. Oui. Parce que vous vouliez prendre une boutique you en fait. Boutique. Voilà, je ne vous vois pas dans une boutique. Boutique. Hein? Je ne vous vois pas dans la boutique. Vous vouliez boutique. Prendre une boutique. You to take a et boutique. On vous a dit qu'il y a un monsieur qui loue les boutiques au marché. Mais ça, c'est oui, papa. Qu'on appelle Claude. Called Claude. Hein? On l'appelle Claude. Oui, papa. Et s'il y a quelqu'un ici qui vend au marché, mais ça, c'est. Is there anyone here selling in Messasi's market? Il y a un monsieur au marché Messasi. C'est lui qui est responsable des boutiques. Responsible of boutique. C'est lui qui attribue les boutiques aux gens. On l'appelle Claude. Giving boutique et on vous a dit que si tu veux la boutique, tu and dois voir Claude. Need, c'est lui qui va t'aider à voir la boutique. Boutique. Après, le projet de la boutique est tombé à l'eau. Parce qu'au début, là, le marché a dérangé. On a transformé ça en boutique. Oui. Bon, il y avait une maman qui me conseillait de. Laissez-moi prophétiser. Maintenant, regardez. Now look.
À l'heure où je suis en train de parler, as I'm speaking now, ce qui s'est passé avec Henriette, what happened with Henriette, votre gentillesse, your kindness, c'est ça qui va vous sauver. Is what will save you. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen, papa. J'ai dit quoi? La gentillesse. Hein? Ce qui est passé avec ma gentillesse, c'est ça qui va me sauver. Ce qui est passé avec la gentillesse, c'est ça qui va me sauver. C'est ça. Ok. Right. Ok. Est-ce qu'elle est gentille, votre femme? Is she kind, your wife? Donne le micro. Est-ce qu'elle est gentille? Oui, elle est gentille. Elle est gentille, n'est-ce pas? Oui. She's kind. Ok. Maintenant, écoutez. Now look. Quand nous allons venir au culte des familles, the family service, where Lot went, where's the anointed one? Donne-moi une bouteille d'eau. Je veux une bouteille d'eau. Of anointed water. Révérend Bassama, c'est où? Révérend Bassama, vas-y. Révérend Bassama. Quand vous allez prendre votre bouteille, when you will take your bottle of anointed wine, hein? Oui, papa. Vous allez prendre ça. You will take it. Vous partez ou vous vendez. You go where you're selling. Prenez l'eau là. Take that water. Vous mettez 7 gouttes ou vous vendez. Vous allez faire comme ça au marché. In the market. Vous êtes où, madame? From where are you, madam? La dame du milieu. The madam of the middle. Vous êtes d'où? From de Garoua. Vous êtes de Garoua. Plus précisément de Figuil. De Figuil. Oui. Ok. Ok. Est-ce que vous êtes marié? Are you married? Non. Vous voulez? Do you want? Voulez-vous marier? You want? Oui, papa. Maman? Maman. Est-ce que vous connaissez une femme qu'on appelle Josiane? Do you know? Il y a une femme. There is a woman. Que vous connaissez? That you papa. Know. Qu'on appelle Josiane, qui est au marché. C'est une commerçante. Et la femme-ci, il y a quelque chose qui s'est passé, qui va encore se passer. Elle est au marché. Elle vend les mèches. Elle a une petite boutique. Où on vend les mèches. Il y a une femme à côté de moi qui vend les mèches, mais je ne maîtrise pas bien. Demandez son nom. Regardez. Vous savez, la parole de la prophétie, the word of the prophecy, lorsqu'elle sort, when it comes out, c'est pour ta délivrance. Amen. Maintenant, regardez. Now look, ce que vous allez faire. What you will do, parce qu'il y a un besoin qui va se poser. There's a need that will c'est un conseil que je vous donne. There's il y a un besoin de mèche qui va se poser. Amen. That will be. Et qui allait vous pousser à entrer dans la boutique de Josiane? To enter in Joseph's boutique. Hein? Oui, papa. Donc, so, un conseil, one advice. C'est ce que nous appelons la prophétie prédictive. Si je ne vous parlais pas, vous alliez entrer dans sa boutique pour acheter les mèches. Vous alliez entrer. You will do that. L'homme là, il peut aider sa femme. He can help her. Mais comme je vous avertis, but as I advise you, n'y allez don't pas. Amen. N'y allez pas. Amen. Parce que si vous y alliez, if you go there, vous allez regretter ça. You're gonna regret it. Sérieusement. Seriously. Parce que vous devez savoir que dans because votre marché là, market, et même ailleurs, beaucoup de gens many people font ce qu'il ne faut pas faire pour vendre. Vérité. Vous suivez? C'est vrai, papa. Que Dieu vous préserve. May God amen. Preserve you. Quand vous retournez au marché, to the market, soyez prudent. Amen, papa. Vous avez déjà un rapport avec quelque chose comme Foku. Vous connaissez quelque chose comme Foku. Quelque chose comme ça. Foku. Hein? Beaucoup en Guinée équatoriale. Oui. Mais début des travaux, j'ai acheté le matériel chez Foku. Chez lui. Chez Foku. Chez Foku. Le commerçant, mais j'avais oui. un ami en Guinée, Foku. Foku, il est où maintenant? Oui. Je ne sais pas. On s'est séparés depuis 2014. Vous faisiez quoi ensemble? Foku, on faisait dans le bâtiment. Attendez, vous avez travaillé avec lui, n'est-ce pas? Hein? Oui, je suis. C'était pas... votre collègue. Oui, c'était un collègue. C'était un collègue. Oui. Hein? Mm-hmm. Un collègue. Vous connaissez Foku? Non, papa. Vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Papa. Laissez-moi montrer quelque chose. Let me show you something. Vous savez quoi? You know non, what? Papa. Lorsque je vous ai vu, when I saw you, j'ai vu votre maison familiale, la maison de votre père. Oui. À l'époque, pas maintenant. At the time. Parce qu'on a rénové sa maison. They renewed it. Hein? On a rénové. On vous a avez rénové. On est en train de renouveler. Oui. Oui, papa. Avant qu'on ne rénove before the, la maison, à l'époque. Time. Donnez le micro à l'homme. Give the mic to the à l'époque, at the time, quand je suis arrivé chez vous, il y a quelque chose que j'ai vu. Il y avait la maison de votre père, la maison paternelle. Oui. Il y avait une cour.
Il y avait une cour. J'ai vu une cour, la terre. Oui, il y a la cour. Et j'ai vu la véranda. Parce que la maison a deux vérandas en fait. Il y a une véranda derrière. Il y a une véranda devant. Devant, oui. C'est ça. C'est ça. On entre devant, on sort derrière. Et derrière, il y avait une cuisine à l'époque. Oui, papa. Dehors. Vérité. À l'époque, il y avait une cuisine dehors. Et où il y avait la cuisine? En face de la cuisine, c'est-à-dire qu'elle soit en face de la cuisine, la maison était à droite, la cuisine était en face. Oui. À gauche, il y avait une petite case. Oui. Où on... Le sel, oui. L'huile de palme. Vérité, so, papa. D'accord. L'époque où vous étiez avec Foko, il avait une copine à lui qu'on appelait Claire. Il avait une fille qu'on appelait Claire. Et quelque chose s'est passé. On est allé vous accuser chez Foko, votre ami, que vous sortiez avec Claire. Et Foko est venu au Cameroun et il est parti à l'ouest. Vous me suivez? Oui, papa. Bon. C'est mon ami qui sortait avec la femme de Foko. On a dit à Foko que c'était vous. Ah. Foko was told that it was you. Jesus. Zamari wa in Haslomi. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelait Ghislain? Do you know someone called Ghislain? Oui. C'était qui? Who was that? C'était ici au chantier de Rema. Il est où? Where is he? J'ai perdu de vue avec lui. Regardez. Look. Je veux prier pour vous. Que Dieu vous préserve. Amen. Que vous préserve. Amen. Vous comprenez? Oui, papa. Parce que ce qu'on a fait sur vous, ce n'est pas bon. Oui, papa. Je parle de votre ami. On prie pour ça. Parce que ça affecte vos affaires. Vous-même, alors je parle, c'est compliqué. L'argent dehors partout. Mais comme je prie avec vous, à partir de cette semaine, vous allez commencer à voir des miracles. Amen, miracles. Papa. Amen. Regardez. Look. La première chose qui va se passer, écoutez bien. Oui, papa. Il y a un Simon qui a votre argent. Simon having your Il y a un Simon qui a votre argent. Someone called Simon. Il y a un monsieur pour qui vous avez fait un travail qu'on appelait Simon, monsieur Simon, qui a votre argent, qui n'a pas payé. Il a payé une partie. He didn't pay. Alors je parle, il a retenu encore votre argent. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Est-ce que vous croyez que Dieu... Do you believe that God peut commencer par lui? Je crois. Vous appelez. Je crois, papa. Oh. Il veut dire quelque chose. Non. Il va vous appeler. He will call oui, papa, merci. Pour vous rembourser votre argent. Amen. Vous me suivez? Oui, papa. Et vous, madame? And you, madame? Oh, l'Esprit du Seigneur sur vous. Oh, the Spirit of the Lord is upon me. Regardez, donne le micro. Give her the mic. Vous avez une cliente qu'on appelle Hélène. A customer called Hélène. Hein? Une cliente à vous, au marché. Qu'on appelle Hélène. Il y a une femme qui venait acheter chez vous. Qu'on appelle Hélène. La femme qui va revenir chez vous. Mais ne lui vendez pas votre marchandise. Hélène. Oui. Elle va revenir chez vous. Pour acheter. Parce que en fait, ce n'est pas une cliente. Elle marche dans le marché pour distribuer l'argent qu'elle vous donne. C'est l'argent des sacrifices qu'elle distribue dans le marché. Elle va venir chez vous. C'est une femme que vous connaissez. Ça dit que vous vous souvenez ou pas. C'est une maman ou papa. Oh, 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 oh. Je vous ai dit ceci, hein, I told you this, que vous avez une cliente qu'on appelle Hélène, oui, qui venait acheter chez vous. Oui, ça fait un bout de temps que vous ne l'avez plus vue. Elle va revenir encore dans votre boutique pour demander la marchandise. Ne vendez pas, c'est pour votre bien. Amen, papa. I bless you. Je vous bénis. Ce matin, parce que j'ai rêvé, j'ai vu que vous étiez en train de bénir ma marchandise. Ah, vous avez rêvé. You dreamed. Si quelqu'un ne célèbre pas ce Jésus. Amen.